On est venu à Tübingen parce que à Tübingen, on fait exactement l'inverse de ce qu'on fait en France. C'est-à-dire que on part directement des projets des habitants. On fait des appels à l'initiative et on construit la ville à partir de l'usage, de la pratique du quotidien et des besoins, avec une feuille de route qui est relativement simple, qui est définie par la commune, la collectivité, mais qui fait un appel à idées, un appel à projets auprès des habitants. Cette visite est vraiment très intéressante parce qu'elle nous permet de réfléchir complètement autrement. On voit bien que les Allemands ont de grandes longueurs d'avance par rapport à la construction de ces quartiers. Ils ont réfléchi d'une autre manière en mettant l'espace public au cœur en fait de la réussite du vivre ensemble. Et ils ont mobilisé les habitants autour des différentes thématiques, aussi bien l'énergie, les déplacements, comment aussi créer des espaces où la végétation n'a plus la même place que chez nous, c'est beaucoup moins organisé et ça part surtout d'un consensus de tous les habitants avec une participation effective de chacun. Et ça nous montre que cette réussite-là est possible dans ces quartiers. Quand on s'y promène, on a un sentiment d'apaisement très important que je n'ai pas vécu seulement moi, mais quand on le partage avec les autres, qui sont aussi avec ça. C'est intéressant de voir comment on mène un projet urbain en Allemagne, avec les particularités qu'on nous a présentées sur les groupes d'autopromotion, la manière de créer cette diversité dans l'habitat, dans les formes urbaines, dans l'architecture, et puis les démarches participatives aussi qui sont à l'œuvre pour créer ce type de quartier. C'est bien parce que je m'aperçois que on est encore à une étape de définition des projets où on va pouvoir être vigilant dans les détails maintenant sur les projets promoteurs qu'on a retenus. Dans la première phase de l'écoquartier, on va avoir cette attention dans la mise en œuvre, la concrétisation, la mise en œuvre des projets sur des choses qui vont être peut-être des détails sur les cœurs d'îlots verts, sur les notions d'appropriation d'espaces collectifs dans les îlots privés, et qu'il y a encore vraiment finalement des choses à faire et des points d'attention à avoir. Et du coup, c'est bien de régénérer un peu le logiciel éco-quartier à cette étape de notre projet à Crawl pour tenir les ambitions du projet jusqu'à sa concrétisation, quoi.